Tu m'envoies plein de trucs en ce moment, man. C'est bien. Tu es mon TF1. Ouais. Non, mais c'est juste parce que j'ai regardé des trucs sur les jeux à venir et je trouvais ça galerie. Partager. Non, je prends. Bah, tu sais, comme je t'ai envoyé Iron Life, tu vois. Tu es mon Z. Attends, c'est quoi? ZDF. Mon ZDF. Hein. Turbo Golf Racing Announcement. Turbo Golf Racing. Qu'est-ce qu'il envoie le mec? Ah, quoique, c'est marrant, ça peut être marrant, c'est des voitures de golf. Non, mais c'est rien que la miniature, elle te dit rien. Hein. Ah, j'ai pas encore cliqué, j'ai une demain sur ma manette. Ah, ok, non, mais je pensais que. Ok, comme t'avais lu Turbo Golf Racing, je pensais que t'avais vu au moins la miniature. Nine. Ah merde, merde, merde. Aïe. Putain. Oula, je suis très mal là. Ah moi aussi, moi aussi. Faudra que je fasse un rattrapage de l'espace à la dernière porte. Je suis un peu moins mal là. Aussi. Il va falloir quand même que je fasse un rattrapage de l'espace à la dernière porte. Oh oui, en plus il y a le petit marteau. Non, il m'a pas poussé aussi fort que d'habitude. Ah, moi pareil, il m'a poussé sur le côté vitesse. Oh là 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 là, horrible, j'ai flippé. Ah, mais tu sais que t'es qualifié. Ouais. Ok, ok. Oh l'horreur, mon cœur s'est arrêté. Ouais, cassez-vous, bande de nuls. Vous êtes trop nuls. Sale, sale. Sale, sale, exactement. Comme des marques. C'est vrai dans quoi ça? Ah moi je sais pas, j'ai fait un... Non, je sais pas dans quoi c'est. C'est dans... Tu l'as pas vu Ah ouais, si, je l'ai vu mais j'ai pas aimé. Ah t'as pas aimé? Non, j'ai kiffé ce film. Et bizarrement, tu vois, quand je l'avais vu à sa sortie, j'avais pas trop trop kiffé, puis je l'ai revu des années après et je me suis tapé des gros soirs. C'est vraiment n'importe quoi, c'est du burger quiz après l'histoire ce truc. Je pense que c'est ça le problème de Heureux, c'est que je l'ai vu à un âge où je savais pas ce que c'était Louange. Et je pense que j'aurais dû le voir à mes 18 ans quand je commençais à Bédave. Mmh. J'aurais trouvé ça bien absurde. Un truc sérieux, donc la préhistoire traitée de manière absurde, j'aurais trouvé ça marrant, tu vois. Pareil pour H, tu vois, genre par exemple, c'est ça que j'ai découvert en commençant à Bédave. C'était l'univers sérieux de l'hôpital avec le décalage complet de mecs complètement barge. Ah merde, je pensais que je pouvais le faire ce saut. T'es déjà arrivé depuis longtemps, toi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je te regardais. Donc, t'as vu, je me suis pas trop mal débrouillé à la fin. Très bien, même.
J'ai fait les bumpers et tout, enfin les... Pas les bumpers, les tremplins là. Attends, lui, il a des bumpers aussi. Technique, lui. Tu vois qu'on peut le faire là, le double bumper au début? Moi je l'ai fait. Ah, on peut, ok, ok. Moi je venais sur les plateformes rondes à chaque fois pour me reposer. Ok, on peut faire le double bumper. Donc là c'était la manche 2. Bon, faut pas que je me fasse éjecter bêtement. La première fois que j'ai joué à celui-là, j'ai bien joué. Et deux fois d'après, je me suis fait niquer direct. Oh putain, moi je pensais qu'on allait faire l'overboard. Passez-vous! Là, je suis trop dans le peloton, là, je me vois plus. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ah ouais, moi, je regarde juste la petite flèche blanche au-dessus de ma tête, en fait. Bon, y'a un écrou qui est pas passé loin, là. Les écrous, c'est les pires. Moi, je trouve que... Ouais, les écrous et les étoiles, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et les manettes. Non, et non. Les planètes. Les planètes. En premier, les écrous, ensuite les étoiles, ensuite les planètes. Ah, les planètes, elles sont vénères. Oh là là, il y a une étoile bloquée sur le... sur la plateforme, je la sens pas, elle. Après, ça dépend comment ils atterrissent aussi. Là, par exemple, il y a un aimant qui a atterri à plein, mec. Il était vénère. Ah, il fauche tout le monde. Non. En plus, c'était une manette d'Xbox. Putain. Oh, en plus, on n'était pas loin de la fin. C'était le dernier éliminé. L'avant-dernier. Ils ont attendu que tu sois éliminé pour aller dire, pour dire allez c'est bon, que tu peux éliminer les mecs, on y va. C'est un complot. Oh, désolé mec. J'avais peut-être m'entraîner au volleyball. Ah non. Fruits and Folly. Oh, le mec au milieu il a réussi, mais comment il fait? Ah non, il n'a pas réussi. Il est mort. Sur internet, j'ai vu des gens qui jouaient au milieu. Moi, oh, je t'entends de loin, de où? Pardon, j'avais levé le micro. Mais pas complètement pour qu'il se coupe, mais bref. Et oui, je t'ai dit sur internet, j'ai vu des gens qui le faisaient au milieu cette épreuve. Putain. Faudrait que je vois ça. Et qu'il faisait bien, hein? Ok, en sautant par-dessus les rondins quand il y a. Ouais, exactement. Attends, mais quand tu sautes, le tapis continue de dérouler, donc tu perds, mais je comprends. Ok, ok. Ils arrivaient pas à ce que tu voyais? Non, j'ai juste vu des gens qui le faisaient comme ça, tu sais, sur des streams de gens lambda, hein, pas sur des pros. Ok. C'était juste des extraits, parce que souvent je mets des extraits de. Toute la bulle là, qu'il y a sur Twitch, tu sais, JDG, Antoine Daniel. Oh, je vais avoir les 100 points de atteindre la finale. Ça y est, je suis en finale. Ouais, je me lâche.
J'ai déjà entendu Daniel, ok, ouais, c'est ça, ok. Tu vois un peu cette bulle de ouais, streamers là qui stream tout le temps ensemble. Il y a aussi d'autres mecs qui s'appellent Étoile. Je sais plus comment. Ah, bref, il y a. Il y a horrible, qui est moche comme je sais pas quoi, qui s'appelle Mintos. Exactement, Mintos, il est collé. Ah, ok, moi son physique m'empêche d'écouter ce qu'il raconte. Ah, mec, en fait, je sais pas s'il est collé. Mais Antoine Daniel il se tape trop des barres sur sa gueule et moi ça me fait rire et du coup ça m'a fait un peu apprécier le mec genre. Mais c'est toi la serpillière d'Antoine Daniel. Bon, pas de ventilateur, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, il est overcham hein. On dirait qu'il a été un peu que c'est un perso créé exprès, tu vois. Exprès super cham genre. Ouais, grave. Je me rappelle plus comment il s'appelait le frère de Crimo à Jean-Bapt, mais pareil, il me coûte dégueulasse. Bah ça dépend, il y a deux frères. Ah ouais, bah le plus gros des deux là. Le plus grand là hein. Ouais, gros et grand. Mehdi. Ah voilà, mais on dirait Mehdi. Bon, ça va, tout le monde se respecte. Ah, sauf lui. Ça va être long, ça va être long. Ça va être long, ça va être bien long. Ah mais t'es fort là, tu l'as gagné à la fin de la finale. Ah, c'est pour ça, j'espère que ce sera long. Sinon ça pourrait être très très court. Oh le rose, qu'est-ce qu'il a tenté de faire à venir vers moi là. Casse-toi, voilà, bam. C'est niqué. J'ai l'impression qu'il est assez assez bon le petit bouffon là, enfin avec la couronne là. Il a l'air d'être pour Paris aussi vu ses couleurs. Tu penses? Bah ouais, comme ça, rouge et bleu. Allez, plus que deux. Je pense qu'il il a dû voir. Pas depuis tout à l'heure, hein. Il a dû voir que j'étais en rouge et bleu aussi. Je pense qu'il a dû arrêter de m'attaquer. À un moment, il a essayé de m'attaquer. Mais surtout comment t'es en rouge et bleu. Ouais. C'est pas juste du rouge et bleu, quoi. Ouais, donc je te donne la technique, t'en passes comme ça le plus possible sur la première plateforme et ensuite tu recules et tu repasses. Ah ouais, j'ai capté ça. Et lui il les passe tous sur la première. Ouais, lui il a activé le cheat. Ah non, tout à l'heure il a failli se faire avoir. Waouh. Là ça accélère. Wow. Là c'est le vent. Ah, tu l'as passé à l'aveugle là, à un moment. Ouais. En fait je me base de où est celui que je vois. Même s'il y en a un que je vois pas, je me base sur la partie que je vois. Et j'ai remarqué que t'aimais bien être vers l'intérieur du truc aussi. Ouais. Plutôt que sur l'extérieur. Ouais, parce que généralement c'est une technique. Oh oui. Si les mecs essayent de t'attraper, c'est eux qui vont te pousser le plus vite vers l'extérieur de la plateforme. Et donc vous tombez tous les deux, mais au moins toi tu tombes le dernier dans la lave. Putain, quel match. On peut gagner tous les deux aussi. Hein. Mais non. Si, si. Si ça dure trop longtemps. Ouais. Oh. Oh mais non. J'ai cru qu'il avait dégagé. Ah, j'ai cru aussi, mais non. Ah, il a dégagé. Allez. Là, il a dégagé. Filez-moi mes points de solo. Bien ouais, mec. Bien ouais. Putain, c'est fou. C'est vraiment bon, hein. Allez, Roboman. Ah,
putain, pareil, là, mon cœur, il est en train de redescendre tout doucement. Prends tes récompenses. Ah bah oui, parce que je suis arrivé en finale, plus gagner l'émission solo, 200 points. Bam. Merde. Bon bah Mintos, je suis désolé hein. C'était pas prévu pour aller sur YouTube cette petit épisode. C'est pas parce que je te trouve moche que t'es pas un mec sympa. Oh, mise à jour. Mise à jour du contenu requis. Non. Bon, à bientôt mesdames et messieurs.